Salut à tous! Oh, une seconde. Waouh! Ah! Oh! Ah, mais t'as fait caca là! Hein? Bon, alors excusez-moi, hein, je la change et on se retrouve tout de suite. Sarah, mon petit bébé, elle vient d'être changée. Elle est super propre, elle a sa petite couche sous son petit body. Regardez, son petit panty, je ne sais plus comment on appelle ça, legging. Voilà, c'est son petit legging. Elle a une très jolie robe et tout, des grands yeux verts. Et moi, ce que j'aime surtout chez Sarah, c'est sa coiffure. C'est moi qui l'ai coiffée. Oui, les petites couettes comme ça. Regardez, c'est trop mignon. Ça lui va super bien. Elle est jolie comme un cœur. Elle est complètement articulée et tout. Elle est super souple. Vraiment, hein. Et une, et deux, et une, et deux, et une, et deux, et une. Non, j'arrête, je me calme. Ok. Alors, si vous voulez la faire parler, Sarah, eh ben, c'est pas compliqué. Il faut lui appuyer sur son petit bracelet qui est là. Vous voyez? Allez, parle-moi. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Ah oui, je vais te donner à manger, c'est vrai que bon bah c'est l'heure de déjeuner et vous avez certainement envie de voir. Ah oui, ça c'est une particularité de Sarah, c'est qu'elle ne peut pas manger couché. Il faut toujours lui donner à manger quand elle est debout. Alors il est l'heure de jouer ou de manger? Câlin. Oh petit câlin. Je te fais un petit câlin. Je n'ai pas sommeil. T'as pas sommeil, mais c'est normal, c'est pas l'heure de dormir. On va montrer à nos amis comment tu manges. Hein? Bon, alors, elle dit plein de mots, hein, vous voyez, elle cause, elle est déjà en âge de parler. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman. Oui, ma chérie. Non, mais j'ai bien compris. Avec Sarah, eh bien, on a de quoi la faire manger pendant un petit moment. C'est de la sorte de pâte à modeler. Ça sent comme la pâte Play-Doh. Ça a la même odeur. C'est rigolo. Ouais, ça a vraiment la même odeur. Et vous voyez, c'est de la pâte à modeler, tout ce qu'il y a de plus voilà, classique, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça me donne des idées, ça. Voilà. Donc, on a une petite assiette. On a aussi un petit truc pour boire, voilà, qui est totalement factice. Hein, elle ne peut pas vraiment boire avec ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a une rondelle de tomates. Vous allez comprendre. Un truc pour, vous savez, lisser la pâte, la mettre, parce qu'en fait, il faut qu'elle soit à 6 mm max. Donc du coup, on va l'aplatir pour que ça lui rentre bien dans le gosier. On a, c'est quoi ça? C'est une carotte, voilà. Et une pomme. Je vais lui préparer son manger, comme une bonne maman que je suis, parce que moi, je suis une très bonne maman. Vous allez voir. Je vais lui faire, allez. Des carottes. Elle adore ça. Ah ouais, les carottes, ça, elle en est friande, mais un truc de fou. Alors voilà, donc mes carottes sont cuites, hein, j'ai envie de dire. Une tomate. Ah oui, là, ça, elle adore les tomates, hein. Comme Amantine, pareil. Pareil. Et regardez ma belle tomate. Franchement. Ça ressemble pas à une tomate, ça? Non, pas trop en fait. Hein. C'est surtout une tomate orange, on en voit assez peu, c'est peu fréquent. Mais il y a des nouvelles races de tomates. Je sais pas si vous êtes allé au supermarché récemment, mais c'est vrai qu'on voit des tomates oranges. Vertes surtout. On en voit des oranges aussi. Allez, j'en fais une deuxième parce que c'est bon les crudités. C'est très très bon les crudités. Voilà, une deuxième est faite. Maintenant, je vais lui faire une pomme. Et oui, parce que j'ai aussi du vert. Et oui, j'ai aussi de la pâte à modeler verte. Enfin, de la nourriture verte. Ma pomme. Yes. Il faut manger je ne sais plus combien de fruits et de légumes par jour. Hein, donc voilà. Ma chérie, ça va être bientôt prêt. Magnifique. Magnifique ces petits bouts de pommes. Hop, hop, hop. Tiens, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Allez, hop. Alors, ce qui est important surtout, c'est qu'une fois que la nourriture est préparée,
faut vraiment remettre ça dans les petites boîtes, sinon c'est comme la plaido, c'est la même chose, hein. D'ailleurs ça doit en être, hein, je crois. Ça sèche et après on ne peut plus lui donner à manger. Bah non, c'est comme avec les vrais bébés. Hein. Faut toujours donner de la nourriture bien fraîche. Bonjour. Bonjour, bah oui, je suis revenue, ma chérie. Tu peux me donner à manger, s'il te plaît. Bah oui, je vais te donner à manger, tiens, regarde. Il est l'heure de jouer. Non, il est l'heure de manger, enfin, Sarah. Alors, s'il te plaît. Oh, câlin. Elle veut pas encore manger, mais c'est incroyable, ces enfants. On leur prépare à manger, vous demandez un je câlin. N'ai pas sommeil. Bah oui, t'as pas sommeil, mais t'as pas un peu faim quand même. Franchement, Sarah. Hein? Allez, on va manger un petit peu. Comment non? Comment non? Maman! Elle va jamais faire caca, je vous jure! Elle va jamais faire caca! Maman! Oui! Tu peux pas manger couché! Mais non, mais t'es pas couchée, ma chérie! Là, c'est bon, on y va! Non! Quoi non? Pourquoi non? Mais t'es pas couchée! T'es debout pourtant! Voilà, faut peut-être que j'aille. Maman, j'ai faim! Ah! Ah ben voilà! Ça y est, enfin! Ah! Vous avez vu? Comment elle a gobé la nourriture! Miam. Ah oui, t'en veux d'autres, hein? Ah là, vous avez vu? Le truc magique, là, c'est qu'elle a pris la nourriture, elle l'a complètement ingurgitée, quoi. Je veux dire, le truc, il est. Voilà, comme s'il y avait un truc à l'intérieur qui. Super! Attends. Oh là là! C'est génial, ça. Ça marche hyper bien. Vous allez me voir ça. Franchement, hein. Délicieux! Délicieux! Mais attends, mais je vais t'en... Mais c'est qu'elle mange, mais c'est une morphale. Hein. C'est trop bon. Tu vas manger toute ma. Tu vas manger toute la nourriture qui me reste et après moi je fais comment, hein? Hein? Va falloir encore que je retourne dans un magasin de jouets acheter de la plaido. Encore, s'il te plaît. Alors ce qui est génial, c'est que apparemment, comme c'est vraiment la pâte classique, je pense qu'on peut mettre plein de couleurs différentes, quoi. Faut essayer. Je crois que je vais essayer ça. Alors bon, alors là on fait du vert et du. Il faut changer ma couche. Ah, je crois que le grand moment est arrivé. Caca. Non mais franchement, si j'avais eu ça. Il faut changer ma couche. Oui, oui, je vais te la changer ma puce. Oui, oui. Mais si j'avais eu ça quand. J'étais petite, mais qu'est-ce que je me serais éclatée. Ça franchement. Les dans ta bouche. Vous avez entendu le prout? Est-ce que tu fais caca? Oui, je crois là. Je crois que là, on y est là. Alors, le prout, bien sûr, ne fait pas partie du son que fait la poupée. C'est hein. Rigolo. Oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Allez, on va enlever. Alors, de quelle. Moi, mais moi aussi, je t'aime. De quelle couleur va être le caca de notre poupée? J'ai juste trop hâte de vous le montrer. Oui, j'ai compris, oui. Effectivement. Enfin bon, des cacas comme ça, on en voudrait tous les jours en même temps. Alors attends, je regarde avant vous. Coucou. Mais non, mais elle n'a pas fait vraiment caca, quoi. C'est pourri. Comme je l'ai allongé, du coup, le caca n'est pas tombé. Donc, il est le plus terrible dans l'histoire, c'est que c'est une poupée super économique parce qu'elle fait caca. Mais après, vous pouvez lui redonner à manger. Bon, allez, restons sérieux. Donc, on va retenter le coup là parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu fait n'importe quoi là. C'est-à-dire que je ne l'ai pas laissée debout puisque c'est debout qu'elle doit crotter. Donc, je récupère la nourriture. Elle n'a pas été digérée, bien sûr. Pas du tout. Elle n'a absolument pas été digérée. Donc, je vais lui remettre sa couche. Et nous allons recommencer le bazar. Il faut changer ma couche. Ah, ça y est. Ça y est. Donc là, normalement... T'as fait caca! Bon, c'est ce qu'on va voir tout de suite si t'as fait caca. Alors, est-ce qu'il y en a dans la couche? Il faut changer ma couche. Eh oh là là, oui, effectivement. Effectivement, tout ça est bien descendu dans la couche, regardez. Oh, ah, oh, quelle horreur!
Ah, attendez, je vais vous montrer ça, ça. Regardez, elle est encore en train. Elle est encore en train, elle n'a pas tout à fait fini. Voilà, voilà la couche. Je ne sais pas si vous la voyez. Et la poupée qui a encore du caca aux fesses. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Oh, aïe, aïe. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est sale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une crotte comme ça. Franchement, c'est pas très réaliste, non? Mais c'est rigolo comme tout, ça. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de... Parce que comme ça fait pas très réaliste, j'ai envie de mélanger les deux couleurs pour voir ce que ça fait. Si ça me fait une sorte de marron un petit peu plus genre réaliste, genre vrai caca de bébé, quoi. Ce qu'on va voir tout de suite. Ça fait pas vraiment caca, quoi. Ça fait un peu caca extraterrestre. Ah voilà, je l'ai bien mélangé, donc ça fait une sorte de truc un peu genre quand ils ont pas super bien digéré. Donc voilà, je vais dire que je vais donner à manger des haricots verts. Et entre temps, j'ai été chercher de la pâte à modeler marron. On va dire qu'on va lui faire de la mousse au chocolat. Vous êtes d'accord? Bon, je pense qu'on va bien rigoler là. Enfin, normalement, ça devrait marcher, j'espère. On va voir. Vous allez mis. Comme ça, en même temps, ça sera un bon test parce que ça veut dire que si vous avez aussi de la pâte à modeler, comment dire, marron. Peut-être d'autres emporte-pièces, mais vous voyez que en fait faut que ce soit quand même assez fin parce que sinon elle va pas le manger, donc faut que l'épaisseur soit vraiment hein. Oh bah ça peut être du chocolat aussi hein, qu'on va lui donner à manger, ou du caca. Bonne nuit. Oui c'est ça, bonne nuit. Mais non, on va manger un petit peu hein, d'accord. Allez. Ah bah dis donc, elle le veut pas. Ah oui. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Ah voilà, ça marche impeccable. Regardez, effectivement, c'est de la pâte Play-Doh, hein. Il n'y a pas plus bête que chou. Ça marche impeccable. Je me demande si on lui en donne un paquet, s'il a fait un gros paquet de caca. Parce que là, j'en ai pas assez en fait. Bah oui, c'est bon. Oh ouais, c'est super bon. Non. Non? T'en veux plus? Il faut changer ma couche. Ah, ça y est. Ça y est, c'est tombé. Alors, je vais faire un petit... J'ai fait caca. Ah ouais, t'as fait caca. Fais voir comment on fait avec les petits. Ah ouais, mais... Ça ne sent pas bon. Ah non, ça ne sent pas bon du tout. Hein. Regardez. On voit qu'elle est encore en train de faire. C'est carrément dégoûtant. Avec le caca marron, mais ça cartonne encore plus, je trouve. Voilà, donc voilà, je vais lui enlever sa couche. Oh, j'en ai plein les doigts, mais quelle horreur! Aïe, 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 regardez-moi cette cochonne! Regardez-moi ça, mais c'est dégoûtant, ça! Bon ben voilà, bon ben le verre, je vais pas le faire, vous avez compris le principe, hein, c'est vraiment ça qui marche. Après vous pouvez faire des mélanges de couleurs, vous pouvez, mais surtout ce qui est important c'est de remettre ben, la pâte à modeler dans les boîtes, parce que sinon après ça sèche, on peut plus l'utiliser. Voilà, c'était Baby Alive Sarah, moi je la trouve mais excellente, enfin je sais pas vous, hein, donnez-moi votre avis sur cette poupée qui fait caca. Ils savent plus quoi inventer, quoi. C'est un truc de fou, quand même. La poupée qui... Alors, je connaissais la poupée qui faisait pipi, la poupée qui pète, on l'a fait sur des mots joués, mais alors, la poupée qui fait carrément caca, là, celle-là, c'est collector. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite démo vous a plu. On vous fait plein de gros bisous. Abonnez-vous, partagez. Salut! Ciao! Oh, bah, dis donc, t'es coquine, hein? Faut pas prouter comme ça. Salut! Ciao!